إن أكرمكم عند الله أتقاكم إنما يتفضلون عند الله تعالى بالتقوى لا بالأحساب وقد وردت أحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام حدثنا عبده بن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف بني نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن ذلك نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني قال نعم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا قد رواه البخاري في الإكسبليكاسيون إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلتي ابن كثير الذكر يعني الميار d'entre vous c'est seulement par la taqwa par la crainte d'Allah pas par les votre généalogie ou des choses comme ça. Ouais. Et puis il dit il y a des hadiths qui ont été rapportés au sujet de ça par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont demandé, certains des sahaba comme Abu Huraira, il dit qu'on a demandé au messager d'Allah lequel des hommes sont plus nobles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le plus noble auprès d'Allah c'est celui qui le craint le plus, qui est plus pieux. Alors ils ont dit c'est pas de ça qu'on veut te demander. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus noble des hommes, c'est Youssef, le fils du prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils du prophète d'Allah, fils de l'ami d'Allah, Ibrahim. Ils ont dit, c'est pas de ça qu'on te demande. Alors, il a dit, est-ce que c'est au sujet de l'origine des Arabes que vous me demandez? Ils ont dit oui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous dans la jahiliya, c'est le meilleur d'entre vous dans l'islam, s'il a bien compris sa religion, s'il a bien compris, il va faqihu. Donc ça veut dire, c'est ça l'explication. إن الله ينظر حديث إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله سبحانه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى il ne regarde pas à vos apparences extérieures ou vos biens mais il regarde à vos cœurs et vos actions. Ça c'est un autre hadith et il en a mentionné plusieurs. Je t'en donne un, inshallah. Ouais. On sait que, barakafi. Khalas, nabda, inshallah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on continue avec le livre du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et on est arrivé au chapitre qui s'appelle Ithbatu al-Mashi'ah wal-Irada lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, inshaAllah. Donc, c'est-à-dire affirmer la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et juste pour expliquer, dans le titre, il y a deux mots qui sont utilisés. Et en arabe, ils ont une signification différente. Mais les deux significations sont proches. C'est al-mashi'a et al-irada. Ok? Si on voudrait essayer un petit peu de faire comprendre ou traduire les deux, on pourrait dire la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et son vouloir. C'est proche les deux, n'est-ce pas? Mais quand même, bon, il y a des petites subtilités qui les distinguent. Le cheikh, il donne des versets pour prouver que parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la volonté. D'accord? Donc il dit, ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله من سورة الكهف الآية 39. ensuite il mentionne un autre verset qui dit ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. et après il mentionne un autre verset, celui-là c'est Baqara 253. je traduis ces deux versets là, après on va continuer à lire les autres. Il dit, le chef, si seulement il avait, lorsqu'il entrait dans son jardin, ça c'est à propos de l'histoire dans Sourate Al-Kahf, lorsqu'il y avait deux personnes, un qui avait un jardin, et l'autre, les deux avaient un jardin, il y en a un qui avait un jardin qui produisait beaucoup de fruits, mais il n'était pas croyant, il n'était pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala a fait détruire son jardin. Ok, et puis l'homme qui était croyant, il a dit si seulement cette personne-là, lorsqu'il rentre dans son jardin, il disait Masha'Allah, par la grâce d'Allah, ou bien comme Allah veut, la quwwata illa billah, il n'y a pas de pouvoir accepté par Allah. Donc il a affirmé ici que Allah il a une mashi'a, c'est-à-dire il a une volonté, Masha'Allah. Après il mentionne un autre verset qui est dans Surat al-Baqara 253 à propos des gens qui se sont combattus après que les messagers soient venus vers eux, Allah subhanahu wa ta'ala a dit mais si Allah n'aurait pas voulu, ils ne se seraient pas combattus et tués les uns les autres, mais Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut, yaf'alu ma yurid. Ça c'est irada, exactement. Après dans le troisième verset que le cheikh a mentionné, il dit قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. dans سورة المائدة le verset 1. ok, et ça, qu'est-ce que ça signifie? ce verset là ça veut dire إن الله يحكم ما يريد. ça aussi c'est الإرادة. et vous êtes permis, les bêtes vous sont permises, les bêtes, sauf ce qui sera énoncé comme étant interdit. Et ne vous permettez pas la chasse alors que vous êtes en état d'ihram. C'est-à-dire, lorsqu'on est en état d'ihram, quand on fait le hajj, on n'a pas le droit de chasser. Donc, on va expliquer que dans ce verset-là, il y a la mention de la volonté, parce qu'Allah dit par la suite, Allah certes décide de ce qu'il veut. إن الله يحكم ما يريد. après il mentionne un dernier verset qui dit وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. c'est dans سورة الأنعام le verset 125. Al-An'am, le verset 125. Ça veut dire celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut guider, celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut le guider, il ouvre sa poitrine à l'islam. Celui que Allah subhanahu wa ta'ala veut pour lui qu'il soit guidé, il ouvre sa poitrine à l'islam. Et celui pour qui il veut qu'il soit égaré, il rend sa poitrine étroite, comme si il est soulevé dans les airs, dans le ciel, yani. Donc il se sent étouffé, écrasé, comme si sa poitrine est en train de se serrer sur lui. Al-An'am
verset 125. Non, il avait écrit non. Donc, ça c'est un autre verset qui montre que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une volonté également. Maintenant, on va lire l'explication du Cheikh Al-Fawzan de tous ces versets qu'on vient de mentionner. Un petit résumé ou une petite explication courte de ces significations-là. Cheikh, il dit, وقوله لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. Il dit, لولا إذ دخلت جنتك, c'est-à-dire, هلا إذا دخلت بستانك. Lorsque tu rentres dans ton jardin, pourquoi yani, tu ne dis pas ma sha Allah, la quwwata illa billah? C'est-à-dire, in sha'a abqaha wa in sha'a afnaha, i'tirafan bil ajdi wa anna al qudrata lillahi subhanahu. Qala ba'd al salaf, man a'jabahu shay, falyaqul ma sha Allah, la quwwata illa billah. Donc, le cheikh il explique, il dit, quand tu dis ma sha Allah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est comme si tu disais, si Allah veut, il va le préserver, il va le garder pour moi, et s'il veut, il va le faire partir. C'est-à-dire, je crois que tout ce que j'ai, c'est par la volonté d'Allah. S'il veut que je l'ai, il va me le faire garder, il va faire que je le garde, et s'il veut que je l'ai plus, il va faire en sorte que je le perds, mais c'est en même temps, tu reconnais ton impuissance. Tu reconnais ton impuissance, c'est-à-dire que c'est pas uniquement de ta force ou par ta propre intelligence ou ton propre moyen que tu arrives à posséder ou à acquérir des biens, mais c'est uniquement par la volonté et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, tu reconnais que toute la puissance appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains des salafs, ils disaient, lorsque quelque chose te plaît, lorsque tu vois quelque chose et que ça te plaît et que tu l'aimes, dis, ma sha Allah, la quwwata illa billah. Dit, comme ce que Allah veut, hein, ma sha Allah, comme Allah l'a voulu, et il n'y a pas de puissance en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma sha Allah. C'est comme ça veut dire, si Allah, yani, c'est comme une façon de dire, yani, par la grâce d'Allah, ou si Allah veut. Je pense que dans un hadith, ça dit ça. Oui, ça c'est, il y a dans un hadith, je pense ça. Non. Ça c'est dans le Coran en fait. Masha'Allah, la quwwata illa billah. C'est ça que c'est écrit dans le Coran. D'habitude quand il y a un malheur, on dit, on peut dire la hawla wa la quwwata illa billah, on peut dire alhamdulillahi ala kulli hal, on peut aussi alhamdulillah ala kulli hal. Ouais. Tu peux dire aussi « Inna lillah wa inna ilayhi raji'un » mais on peut les dire après, parce qu'on est en retard un peu, puis… Hein? Prends-le en note tes questions, Inch'Allah, puis on va les poser après, Inch'Allah. Après, le chef, il mentionne l'autre verset, il dit « وَقَوْلُهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ » أي « لَوْ شَاءَ سُبْحَانَهُ » عدم اقتتالهم لم يقتتلوا لأنه لا يجري في ملكه إلا ما يريد ولا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. Donc le chef il dit, lorsqu'il mentionne le verset, et si Allah n'aurait pas voulu, ils ne se seraient pas combattus entre eux, mais Allah fait ce qu'il veut. Allah يفعل ما يريد, il fait ce qu'il veut. Yani, ça veut dire que si Allah avait voulu qu'ils ne se combattent pas entre eux, qu'il n'y ait pas de guerre par exemple entre les hommes, jamais, eh bien, il n'y en aurait pas jamais. Hein? S'il y a des guerres, s'il y a des combats entre les hommes, c'est uniquement parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Personne ne peut rejeter son jugement. Personne ne peut rejeter qu'est-ce qu'il a décrété, et personne ne peut changer non plus. D'accord? Donc, s'il a voulu quelque chose, il faut que ça se produise.
D'accord. Il n'y a pas rien dans l'univers qui se produit, qui peut se produire sans que lui l'ait voulu. Et après le cheikh dit wa qawluhu ta'ala uhillat lakum ay ubihat wal khitab lil mu'minin uhillat lakum dans le verset vous a été permis. Et c'est une parole, c'est-à-dire pour les croyants, ça a été permis les choses qui vont suivre. بهيمة الأنعام أي الإبل والبقر والغنم بهيمة الأنعام c'est des genres d'animaux comme des animaux de domestiques qu'on utilise pour manger pour faire on utilise leur peau leur lait des trucs comme ça c'est comme le chameau les vaches et les chèvres donc c'est ça ce qu'on appelle بهيمة الأنعام ok et إلا ما يطلع عليه إِلَّا مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ ça c'est qu'est-ce qui a été mentionné par la suite dans le verset qui suit, je pense que c'est le verset 3 de qu'est-ce qui est interdit c'est-à-dire حُرِمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرُ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ la bête trouvée morte, le sang de la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un nom autre que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée, ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, ou celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf si vous l'avez égorgée avant qu'elle soit morte. Hein, vous sont également interdites les bêtes qu'on a immolées sur des pierres pour des idoles, hein, ainsi que de procéder au partage par le moyen de tirage au sort, par des flèches, etc. Donc ça c'est de ça que Allah parle quand il dit « excepté ce qui va être mentionné », c'est-à-dire ce verset-là par la suite. C'est-à-dire tout est permis, excepté les choses mentionnées dans le verset qui suit. Et puis le cheikh il dit ensuite وقوله حرمت عليكم الميتة أي بعدها يعني سكون مانسيوني غير محل الصيد وأنتم حرم استثناء آخر من بهيمة الأنعام يعني استدق كنت dans les حرام تقال دوا دو فر لا شاس والمعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها أحلت نعم كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد ولا يحل لكم في حال الإحرام وقوله وأنتم حرم في محل نصب على الحال والمراد بالحرم هنا هو محرم بحج أو أمرة أو بهما إن الله يحكم ما يريد donc le cheikh il dit justement ce que j'ai dit toutes les bêtes domestiques sont permises pour vous excepté les bêtes sauvages parce que si c'est des bêtes sauvages vous devez les chasser et dans ce cas-là c'est pas permis pour vous en particulier si vous êtes dans l'ihram dans le hajj ou dans l'umrah dans ce cas-là ce serait pas permis et après le cheikh il dit inna allaha yahkumu ma yurid min at-tahlil wa at-tahrim la i'tirad alayh c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il décide ce qu'il veut en ce qui concerne wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh le fait de rendre halal ou haram et personne ne peut s'opposer à ce qu'il décide dans sa législation et dans ses lois. Le cheikh dit ensuite, « وَشَاهِدُ مِنَ الْآيَاتِ أَنَّ فِيهَا إِثْبَاتُ الْمَشِيئَةِ وَالْقُوَّةِ وَالْحُكُمْ وَالْإِرَادَةِ صِفَاتٌ لِلَّهِ » C'est-à-dire, non, c'est les versets que le cheikh a mentionné, Ibn Taymiyyah, dans ces versets-là, il y a la preuve qu'on doit affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala, il a la volonté, al-mashi'ah, la force, al-quwwah, al-hukum, qu'il décide et qu'il juge, al-irada, qu'il a un vouloir, qu'il décide et qu'il veut certaines choses et que d'autres choses il ne les veut pas. Et ça c'est des attributs et on doit les attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala comme elles lui conviennent. D'accord? Ensuite il continue à expliquer le reste des versets. Il dit, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ أي مَنْ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُوَفِّقَهُ ويجعل قلبه قابلا للخير donc le cheikh il dit que qu'est-ce que ça veut dire celui que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour celui pour qui Allah a voulu qu'il soit guidé le cheikh il dit c'est-à-dire celui que pour qui Allah a voulu qu'il ait le succès ok
celui pour qui Allah a mis dans son cœur une acceptation de ce qui est bien et de la foi. Waman ismu shart jazim wa yurid majzum ala annahu fi'l al-shart yashrah sadrahu lil-islam majzum bi jawab al-shart. Donc ça c'est un petit peu des explications grammaticales de qu'est-ce que le verset signifie, c'est-à-dire c'est comme pour dire que quand Allah dit celui pour qui Allah veut la guidance, eh ben il ouvre son cœur à la foi, c'est comme pour dire que quand Allah veut que quelqu'un soit guidé, il va ouvrir son cœur à la foi. C'est comme ça ce qu'il veut expliquer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Après il dit والشرح الشق وأصله التوسعة وشرحت الأمر أي بينت ووضحت وضحت. Donc الشرح c'est quoi? Quand il dit que يشرح صدره, quand il écarte ou il élargit sa poitrine, c'est-à-dire il lui ouvre sa poitrine, et ça veut dire qu'il la rend plus large. Dans la langue arabe, c'est ce que ça veut dire الشرح. الشق وأصله التوسعة, c'est-à-dire d'élargir quelque chose, de le rendre plus vaste, plus large. Et lorsqu'une chose est shurihat, quand elle est élargie ou quand elle est agrandie, ben c'est comme si dans le contexte c'est comme pour le rendre plus clair et le rendre plus précis. والمعنى يوسع صدره للحق الذي هو الإسلام حتى يقبله بصدر منشرح. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala il ouvre sa poitrine à la vérité, et donc il accepte l'islam plus facilement. C'est comme si son cœur est plus ouvert à accepter la vérité. Et puis ça c'est très facile à voir quand vous parlez avec quelqu'un qui n'est pas musulman, vous lui parlez de certaines choses de l'islam, et vous sentez tout de suite si Allah subhanahu wa ta'ala veut pour cette personne-là la guidance, ou s'il ne veut pas pour cette personne-là la guidance, parce que souvent, tu vas parler à quelqu'un de certaines choses de l'islam. Et comme par exemple, juste pour vous donner un exemple, deux exemples de deux personnes. Une personne pour qui Allah a ouvert le cœur à la vérité, une autre personne pour qui Allah subhanahu wa ta'ala l'a complètement aveuglé. Eh bien, subhanallah, tu parles avec une personne sur le hijab. Et quand tu lui parles du hijab, elle est émerveillée, elle est éblouie, elle trouve ça bon, elle trouve ça beau, elle aime ça. Elle dit, Masha'Allah, ça c'est une bonne chose. Elle dit, peut-être pas Masha'Allah, mais je connais des gens, c'était le cas. Quand on leur parlait de l'islam, quand ils entendaient parler de l'islam, quand ils entendaient que dans l'islam, les femmes doivent porter le hijab, il y en a des femmes que j'ai connues qui ont dit, et même dans ma famille, qui ont dit, ah ça, j'ai toujours aimé ça, quand je voyais les femmes qui s'habillaient comme ça, j'ai toujours trouvé ça bien, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour des gens qui s'habillent comme ça. Tu vas parler avec une autre femme, ou une autre personne, et cette personne-là, Allah subhanahu wa ta'ala a comme bloqué son cœur, il a fermé son cœur à la guidance. Subhanallah, pour elle, le hijab c'est la pire des choses, c'est une forme d'esclavage, d'assujettissement de la femme à l'homme, toutes sortes d'autres accusations que les kuffars peuvent avoir inventées à ce sujet-là. Donc on voit que par rapport à la guidance et l'égarement, lorsque la personne a le cœur ouvert à la vérité, ouvert à la foi, elle voit les choses de la foi comme si c'est des choses de bien, elle les accepte facilement. Tandis que l'autre personne, qui a, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas guidé, elle voit le contraire de ça. Elle trouve que c'est quelque chose qui l'a fait, qui l'étouffe, qui l'a fait, comme si elle monte dans le ciel, comme Allah dit dans ce verset-là, c'est comme si on l'a fait monter dans le ciel, il n'y a plus d'air, ils se sont serrés dans sa poitrine, et c'est ça, à l'étroit, donc c'est exactement ça l'exemple. C'est ça qu'il dit le cheikh, il dit يجعل صدره ضيقا, il rend sa poitrine étroite, serrée, لا يتسع لقبول الحق, il ne peut pas accepter la vérité, حرجا اي شديد الضيق. Sourate Al-An'am, est-ce que ça c'est Al-An'am? Ça oui, c'est Al-An'am, verset 125. On peut comprendre le but, la sensation de quand on monte haut dans les montagnes ou bien dans le ciel, on respire moins bien que quand on est en bas.
Et donc, harajan, c'est-à-dire être vraiment serré, être vraiment shadid al-dhiq, comme il dit, fala yabqa fihi man faz min al-khayr. Il n'y a aucune porte ouverte vers le bien. C'est-à-dire, tout est fermé. Elle n'accepte rien de la vérité, cette personne-là. Wa huwa ta'kid li ma'na dayiqan. Et le mot harajan qui est venu après, c'est pour confirmer le mot avant qui est utilisé, qui est dayiq, yani serré, étroit. Harajan. Ka'annama yas'ad fi as-sama. Oui, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est comme s'il était en train de s'élever dans le ciel. Et ka'annama takallafa ma la yatiqu marratan ba'da marra, kama yatakallafu man yurid as-su'ud ila as-sama. Shabbaha al-kafiru fi thiqal al-iman alayhi بمن يتكلف بما لا يتيقه كصعوده إلى السماء. Donc lui, le cheikh, il a expliqué ça, ce verset là, cette partie là qui dit que lorsqu'il monte dans le ciel, c'est comme si le kafir, comme la façon dont il regarde la foi, il voit la foi comme étant une chose tellement lourde, c'est comme si c'est aussi difficile pour lui d'accepter la foi que de monter dans le ciel. C'est quelque chose aussi lourd que ça pour lui, donc c'est comme ça que le cheikh a expliqué. Puis il dit, والشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات الإرادة لله سبحانه وأنها شاملة للهداية والإدلال أي يريد الهداية ويريد الإدلال كونا وقدرا لحكمة بالغة. Donc le cheikh il dit que dans ce verset là on peut voir que parmi les preuves qu'on peut tirer de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une volonté. Et cette volonté-là, elle englobe même la guidance et l'égarement. Elle englobe même la guidance et l'égarement. Et c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut l'égarement, il veut la guidance et il veut également l'égarement. D'une façon qui est kauni et shar'i, comme on avait souvent expliqué ça. Kaunan, c'est-à-dire par sa volonté universelle, et shar'an, par sa volonté qu'il a légiféré par les messagers qu'il a envoyés et par les livres qu'ils ont amenés pour clarifier aux êtres humains ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il interdit, ce qu'il a permis. Tandis que qu'est-ce qui se passe dans le kauni, c'est tout ce qui se produit dans l'univers, que ce soit en accord ou en désaccord avec qu'est-ce qu'il a légiféré. D'accord? Et c'est ça ce qu'il va expliquer le cheikh. Et Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, lorsqu'il a destiné ou lorsqu'il a voulu pour une personne l'égarement, c'est pour une sagesse. C'est parce qu'il y a une sagesse et c'est selon sa justice infinie et selon sa sagesse et sa connaissance infinie. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas d'injustice envers personne. Souvent, l'égarement d'une personne est le résultat du fait qu'il a refusé de croire, dans le sens que c'est une punition pour cette personne-là, comme c'est expliqué dans plusieurs autres versets. Mais le cheikh il dit, فَالْإِرَادَ أَرَبَّانِيَ نَوْعَانِ. Il y a deux formes de volonté. النَوْعُ الْأَوَّلِ إِرَادَةٌ كَوْنِيَّ قَدَرِيَّ وَهَذِهِ مُرَادِفَةٌ لِلْمَشِيئَةِ وَمِنْ أَمْثِلَتِهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وقوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وقوله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. نعم. Donc le cheikh il mentionne quelques versets et il explique qu'il y a deux formes de volonté. La première volonté c'est l'irada al-kawniya et il a mentionné les versets. Maintenant, je vais lire l'exemple de la deuxième. C'est النَّوْعُ الثَّانِي إِرَادَةٌ دِينِيَّةٌ شَرَعِيَّةٌ مِنْ أَمْثِلَتِهَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ لِيَجْعَلَ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. Donc ça c'est la deuxième. Donc la première c'est l'irada al-kawniya qadariya.
c'est la volonté d'Allah dans l'univers et la volonté qu'il a dans sa prédestination. Et c'est synonyme de al-mashi'a, de la volonté. Cette forme de d'irada, irada al-kawniya, al-qadariya, elle est synonyme de mashi'a, pas irada shar'iya. L'irada shar'iya, elle n'est pas synonyme de al-mashi'a. Parce que al-mashi'a, il y en a juste une, c'est al-kawniya. Tu comprends? Mais vous allez comprendre, inshallah, un peu plus peut-être avec les exemples. Le cheikh, il mentionne comme exemple, comme verset pour montrer cette forme d'irada là. C'est le verset qui dit, par exemple, ça je vais retourner à la traduction, c'est Ayah 16, Surat al-Isra. Il dit, quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces opulents, hein, les gens qui sont très riches et tout, qui ont une grande richesse et tout, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions. Mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Alors la parole est prononcée contre elles et se réalise. Et nous les détruisons entièrement. Donc ça c'est... ça c'est surat al-Isra, le verset 16. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. Donc c'est ça. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut détruire un peuple ou une nation ou quelque chose, eh bien il leur commande et les gens opulents de cette population-là transgressent ou désobéissent et donc il les punit. Ça fait partie de l'irada al-kawniya. Un autre exemple. إذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له. Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut pour un peuple du mal, personne ne peut le repousser. Et l'autre verset, c'est celui qui dit, et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut égarer quelqu'un, il rend sa poitrine serrée, étroite. Et là, par exemple, quand on voit, par exemple, quand il y a des tremblements de terre, ou quand il y a des ouragans, ou quand il y a des tornades, ou quand il y a toutes sortes de désastres naturels, comme on appelle aujourd'hui, eh ben, tout ça, ces affaires-là, c'est uniquement par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que ça se produit. Quand il y a des guerres, quand il y a des catastrophes, même quand il y a une bombe qui explose quelque part, tout ça, c'est parce que ça peut pas se produire, excepté parce que Allah l'a voulu. Ok? Mais ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime cette chose-là. Et comment on peut savoir qu'il ne l'aime pas? C'est parce qu'on regarde dans sa révélation. Et on regarde dans sa révélation, c'est-à-dire dans le Coran et dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a déclaré comme étant haram? Et ce qu'il a déclaré comme étant haram, c'est ça ce qu'il déteste. C'est ça ce qu'il aime pas, et c'est ça ce qu'il déteste, et c'est ça sa volonté shara'iyya, sa volonté légale. Donc, il permet dans sa volonté qui est universelle et qui est dans sa prédestination, il permet qu'il y ait certaines choses qui se produisent dans la création qui sont contraires à ce qu'il aime, dans le but de tester les hommes, parce que sinon, personne ne serait testé. Tout le monde serait en train de faire ce qui est bien, et d'obéir à Allah, et il n'y aurait jamais de désastre, il n'y aurait jamais de malheur, il n'y aurait jamais de guerre, il n'y aurait jamais de problème entre les hommes, et donc tout le monde serait correct, et on n'aurait pas de test. Il n'y aurait pas de shaitan, il n'y aurait pas de mu'minine, il n'y aurait pas de kuffar, tout le monde serait des mu'minines, et donc il n'y aurait pas de test. Donc c'est Allah a voulu par sa sagesse qu'il y ait des mu'minines et des kuffars, qu'il y ait le shaitan, qu'il y ait des désastres, des malheurs, tout ça pour voir à quel niveau l'homme va être patient, à quel niveau il va être obéissant, à quel niveau il va se soumettre, quand il y a un malheur, comment les hommes vont réagir, est-ce qu'ils vont être endurants, est-ce qu'ils vont faire preuve de foi, ou bien est-ce qu'ils vont se détourner et commencer à
insulter ou rejeter la foi et l'ordre des messagers. Donc ça, c'est des exemples. Donc, il faut bien comprendre ces deux formes de volonté-là. Ceux qui n'ont pas fait cette distinction entre ces deux formes de volonté-là sont tombés dans l'égarement. Sont tombés dans l'égarement. Soit qu'ils ont dit, par exemple, que tout ce qui arrive de mal dans l'univers, ça se produit sans que Allah l'ait voulu. Et donc, ça veut dire qu'ils ont rejeté la toute-puissance d'Allah, ils ont nié qu'Allah est tout-puissant, et qu'il connaît toutes choses et qu'il sait toutes choses. Ou bien soit qu'ils ont dit, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont fait de ces deux volontés-là une seule. Et ils ont dit que tout ce qui arrive de bien et de mal, Allah les aime. Et donc, ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala une imperfection et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala aime le mal et aime l'injustice. Et ça, c'est contraire à ce qu'il a enseigné. Et pour donner l'exemple de la deuxième forme de irada, c'est-à-dire irada ad-diniya, la volonté qui est religieuse et qui est légale, celle qui est révélée par ses messagers, il dit par exemple, Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut, pas me tromper, hein. Tuba alaykum, c'est un peu, il veut vous amener à vous repentir, en fait, c'est ça. Le verset, c'est dans Sourate An-Nisa, le verset 27. Non. C'est juste pour vérifier la traduction, pour être certain, parce que, ouais. Allah veut accueillir votre repentance. C'est comme ça qu'ils m'ont traduit. Donc, yuridullahu an yatuba alaykum. Allah yuridu an yatuba alaykum. C'est ça le verset, puis donc, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que vous vous repentiez. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime la repentance. Hein? Il aime que ses serviteurs se repentent à lui, retournent à lui et demandent pardon. Il donne un autre exemple également, c'est, ma yuridullahu liyaj'ala alaykum fiddini min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu mettre pour vous dans votre religion aucune difficulté, mais il veut plutôt pour vous vous purifier. Il veut vous purifier. Donc ça veut dire que ça c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et qu'il veut et qu'il aime. Il n'a pas voulu mettre pour vous dans votre religion aucune haraj, aucune difficulté. Et il veut pour vous que vous vous purifiez. Et un autre verset dans Surat Al-Ahzab qui dit إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ. Allah subhanahu wa ta'ala veut uniquement faire vous enlever l'impureté ou les choses l'impureté ou vous les habitants de la maison, c'est-à-dire la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dans Surat Al-Ahzab. Et ça s'adresse aux femmes des croyants et à tous les femmes en général aussi, puisqu'elles sont toutes à l'Ahzab, les coalisées, je pense qu'ils ont traduit ça dans le verset. Et si tu regardes dans le verset 33, c'est là que c'est écrit. Et restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. Et restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Et malheureusement, les femmes d'aujourd'hui, eh ben, je pense que des fois elles ont dépassé le tabarruj de al-jahiliya. C'est-à-dire elles ont dépassé les exemples d'exhibition. Que les femmes de la Jahiliya, c'est-à-dire les périodes pré-islamiques faisaient. Aujourd'hui, quand tu sors dans la rue, tu vois que ces femmes-là d'aujourd'hui ont dépassé l'ignorance des gens dans la pré-islam. Et puis, ils se pensent modernes. Ils se pensent évolués. Alors que, subhanallah, ils sont retardés ils reculent dans plus bas que les gens de la pré-islam qui étaient dans l'ignorance.
Et Allah dit aux femmes, restez dans vos foyers. Ça, c'est pour les femmes des ministres, mais en même temps aussi, c'est pour les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps, c'est aussi pour toutes les femmes. Parce que c'est clair qu'elles n'ont pas le droit de s'exhiber, même si elles ne sont pas les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour les hommes aussi, bien sûr, pas le droit de marcher dans la rue à moitié nu aussi. C'est pas juste pour les femmes. Ouais, bien sûr, c'est l'homme qui est ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes sont c'est les hommes qui sont responsables des femmes et c'est eux qui doivent veiller et faire en sorte que leurs femmes respectent et sont soumises au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est certain que si un homme surveille pas sa femme et qu'il veille pas à ce qu'elle désobéisse pas aux lois d'Allah, ben c'est sûr que cet homme-là, il aura à rendre des comptes à Allah au jugement dernier, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kullukum ra'in wa kullukum mas'oulun an ra'ayyatihi » Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous est responsable de son troupeau. Hein? Donc l'homme, il est responsable de sa femme, de ses enfants, de sa maison. Tout ce qui se passe dans sa maison qui est contraire à la religion et à la loi d'Allah, eh bien, il va avoir des comptes à rendre devant Allah à ce sujet-là au jugement dernier. Donc, pour revenir au verset, c'est Allah dit, Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison. Allah veut vous débarrasser de toute souillure et veut vous purifier pleinement. Hein? Et en passant, il y en a, ça fait un verset qui est au sujet de, des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une réfutation des shi'as qui prétendent que Ahlul Bayt c'est seulement Ali et Hassan et Hussein et que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas incluses dans Ahlul Bayt. Et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam font certes partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 33 سورة الأحزاب. نعم 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 parce qu'il y a un hadith qui mentionne que lorsque ce verset-là a été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené je pense Hassan ou Hussein, Fatima en dessous de son manteau et puis il a fait un dua je pense et quand une de ses femmes a voulu elle aussi venir, il lui a dit non, pas vous, parce que vous avez déjà été purifiés. Mais eux, ils utilisent ce hadith, ils essaient d'utiliser ce hadith pour dire comme si il lui a dit de ne pas venir. Mais ils ont oublié de mentionner la partie qui dit vous avez déjà été purifiés, yani, dans ce sens-là. Donc, mais les chiens, yani, c'est des gens, ils n'aiment pas les femmes du prophète, et en particulier, ils détestent Aïcha. Et ils ont fait le tafsir dans le Coran, le verset qui dit « Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara » Allah vous ordonne de dégorger une vache. Ils ont dit dans leur livre de tafsir, c'est Aïcha. Donc ça c'est un exemple comment ces gens-là ils détestent les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à propos de Moussa, exactement. Mais c'est des genres de paroles qu'on retrouve dans leur tafsir, dans les tafsirs des shi'as, c'est des choses comme ça qu'on retrouve. Des choses qui n'ont aucun rapport. Non. Pas juste. Non, peut-être. Je ne sais pas celui-là. Mais il y a un autre exemple aussi, comme par exemple, quand ils essaient de prouver que Ali devait être le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se base sur des exemples entre Moussa et Haroun, son frère, pour dire que chaque prophète a un successeur ou quelque chose comme ça, donc ouais, alors ça n'a rien à voir, hein, tu vois, donc c'est des exemples de Shubuhat. Donc le cheikh il dit, « Al-farqu bayna liradatayn » La différence entre ces deux formes de volonté-là, « Al-irada al-kawniya qad yuhibbuha Allah » ويرضاها وقد لا يحبها ولا يرضاها والإرادة الشرعية
لا بد أن يحبها ويرضاها والإرادة فالله أراد المعصية كونا ولا يرضاها شرعا. donc le chef il dit que la volonté qui est universelle, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut l'aimer et il peut l'agréer si elle est en accord avec la révélation, et il peut également ne pas l'aimer et ne pas l'agréer. Et ça, c'est dans le cas où il l'a interdit dans sa révélation, si c'est de l'injustice ou si c'est un péché ou des choses de ce genre. Ça rentre dans la volonté universelle, mais c'est contraire à ce qu'il a enseigné par ses messagers. والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها. هذه la volonté qui est légale, qui est révélée, il faut qu'il l'aime. Il l'aime Allah subhanahu wa ta'ala et il l'agrée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des péchés par sa volonté universelle, mais il ne l'agrée pas dans sa loi et dans sa législation et dans sa révélation. Il ne l'agrée pas, il n'est pas satisfait des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans surat Fatir, il dit « إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ » Dans surat Zumar, si vous faites le kufr, « إِن تَكْفُرُوا » Allah n'a pas besoin de vous. Allah subhanahu wa ta'ala peut se passer complètement de vous. ولا يرضى لعباده الكفر ما il n'agrée pas la mécréance de la part de ses serviteurs. وإن تشكروا يرضه لكم, et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous, il accepte de votre part, il est satisfait de ça de votre part. Et une des raisons pourquoi les Asha'ira ont dévié dans ce sujet là c'est parce que pour eux l'attribut de al-mahabba, l'attribut de al-hub, quand Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il aime certaines choses, eux ils ont refusé d'affirmer que Allah aimait certaines choses, hein, qu'il aimait le bien, qu'il aimait les mu'minines et tout. Donc ils ont interprété ça comme si ils ont dit cet attribut là ça veut dire la volonté. Al-mahabba ma'nahu indahum al-irada, tu comprends? Donc ils sont rentrés dans un problème. Parce que là, ils sont obligés de dire que si la volonté, si l'amour, ça veut dire la volonté, donc Allah a aimé, hein, si Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'un péché se produise, donc ça veut dire qu'il l'aime, puisque sa volonté, c'est son amour. Donc si c'est un des problèmes, c'est pourquoi ils ont dévié dans ce sujet-là. Disons que c'est pas nécessairement la base de leur regardement celui-là seulement, parce qu'il y a beaucoup de points en fait qui font en sorte qu'ils vont dévier au sujet du qadar, mais c'est un des points, disons, qui fait en sorte qu'ils sont déviés, le fait qu'ils ont refusé d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme al-muhabba ou al-bourd, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien par exemple al-farah, ou bien le fait que Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit lorsque son serviteur se repent, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tous les attributs qui sont donnés, ils les ont interprétés pour dire que c'est juste sa volonté, la volonté de faire du bien, la volonté de se venger, la volonté, etc., la volonté de faire du mal ou des choses de ce genre. La deuxième différence, c'est al-irada al-kawniya maqsudatun li ghayriha ka khalq iblis wa sa'ir ash-shurur لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب. والإرادة الشرعية مقصودة لذاتها, فالله أراد الطاعة كونا وشرعا وأحبها وراضيها. Donc ça veut dire que le cheikh explique que la volonté qui est universelle, elle est pas voulue pour elle-même, elle est voulue mais pas comme un but en lui-même, mais comme un moyen, dans le sens que comme j'expliquais tout à l'heure, il a créé Iblis, et il a créé le diable et le mal, mais pour qu'il y ait un combat, une lutte, une repentance, un pardon, hein, pour qu'il y ait un test en fait. Donc il n'a pas voulu que le mal existe pour le mal, mais il a voulu que le mal existe dans le but de tester la création,
Donc cette volonté-là, qui est universelle, elle n'est pas voulue en elle-même. C'est pas ça le but en elle-même. Le but, c'est plutôt de tester. Et deuxièmement, l'irada shar'iyya, elle est voulue pour elle-même. La volonté qui est légale, elle est voulue pour elle-même. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime l'obéissance d'une façon qui est universelle dans sa création et également dans sa législation. Il l'a aimé et il est satisfait de cette obéissance-là. والإرادة الكونية لا بد من وقوعها والإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها فقد تقع وقد لا تقع. Comme la volonté universelle, elle doit se produire, pas le choix. Si Allah a voulu quelque chose d'une volonté universelle, kawniya, il faut que ça se produise. Comme par exemple, si Allah a voulu qu'à tel instant, il va y avoir un tremblement de terre ou un volcan en éruption à telle seconde, à tel millième de seconde précis, à tel endroit, il ne peut pas avoir d'autre chose que se produire cette chose-là. Tandis que la volonté légale, ce qu'il a envoyé, révélé par ses messagers et par ses livres, comme par exemple le fait d'ordonner aux gens de faire la salat ou de croire, ça peut se produire, comme ça peut pas se produire, il y en a que des gens croient ou croient pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il a permis qu'il y ait des kuffars qui rejettent la foi. Mais est-ce qu'il veut que ces gens-là croient dans sa révélation? Oui, parce qu'il a ordonné à tous les êtres humains de croire aux messagers et d'obéir aux messagers. Sauf que dans sa volonté universelle, il a fait en sorte que certains croient et certains rejettent la foi, légale ou religieuse. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, oui. Ouais. Si quelqu'un a volé, Allah subhanahu wa ta'ala a déjà su qu'il allait voler et il peut pas voler excepté si Allah l'a voulu que cette personne la vole. Mais Allah, oui, ça c'est kawniya, mais est-ce qu'Allah aime le vol et est-ce qu'Allah a permis le vol dans sa révélation? Non, il a interdit le vol et il déteste les voleurs, oui. Donc par sa char, par sa révélation, par sa législation, il a interdit ça, donc il le déteste. Et c'est une forme de irada. Mais juste le cheikh il mentionne des tanbih. تجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. Le cheikh il dit quand les deux volontés se réunissent, celle qui est universelle et légale, pour la personne qui est sincère et obéissante. Dans le cas d'une personne qui est sincère et qui est obéissante à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la volonté légale et la volonté universelle qui se réunissent les deux, qui sont ensemble dans cette personne-là. Ok, universelle, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et qu'est-ce qui doit arriver, que ce soit bien ou mal, qu'il l'aime ou qu'il l'aime pas. Tandis que la volonté qui est légale, qui est religieuse, c'est celle qu'il a envoyée. Qu'est-ce qu'il nous a fait savoir qu'est-ce qu'il veut de nous? Tu comprends? Qu'est-ce qu'il veut de toi, de moi, de tous les êtres humains sur la terre? C'est-à-dire qu'il veut qu'on obéisse à sa loi, qu'on se soumette à ses commandements, etc. Donc c'est ça, la différence entre les deux. Donc pour le croyant qui est sincère, qui est obéissant, les deux volontés se réunissent. Tandis que pour la personne qui fait des péchés, eh ben c'est uniquement la volonté universelle qui est dans ce cas-là, parce que elle s'est pas soumise et elle n'a pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les gens qui sont pervers, Wallahu la yuhibbu al-qawm al-fasiqin. Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les gens qui font le fisq ou qui font des péchés ou des choses de ce genre. Wallahu yuhibbu, إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Il aime les gens qui se repentent et il aime les ceux qui se purifient constamment, etc. Attends, laisse-moi juste terminer le dernier point. تنبيه آخر من لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبت الإرادة الكونية فقط والقدرية أثبت الإرادة الشرعية فقط. وأهل السنة أثبتوا
al-iradatayn wa farraqu baynahuma. Non. Donc le tambih, la note que le chef il donne, c'est que celui qui n'a pas affirmé les deux volontés et qui n'a pas fait une distinction entre les deux, il va s'égarer, comme al-jabriya et al-qadariya. Al-jabriya, c'est ceux qui ont yani dit que l'être humain est obligé ou forcé de faire ce qu'il fait, il n'a pas de volonté. Et al-qadariya, c'est ceux qui ont nié la prédestination et qui ont dit que tout ce qui peut se des choses peuvent se produire dans la volonté sans que Allah subhanahu wa ta'ala le veuille. D'accord? Ça c'est un autre groupe qui ont dévié dans al-qadar. Et al-jabriya, parmi les jabriya, on peut compter al-jahmiya, al-ash'ara et certains groupes parmi les soufis comme al-hulul, ahlul hulul wa wahdat al-wujud. Ces gens-là, ils font partie de jabriya. Et al-qadariya, on peut compter al-mu'tazila et al-shi'a et certains dans ces groupes-là. Donc le cheikh dit que al-jabriya, فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط. Les gens qui ont cru en Al-Jabriya, eux ils ont uniquement affirmé la volonté universelle. C'est-à-dire tout ce qui arrive, c'est Dieu qui l'a voulu. Si tu tues quelqu'un ou tu voles ou tu fais un crime, eh ben c'est pas ta faute. On peut pas te blâmer parce que tu fais tout ce que tu as fait, c'était Allah qui voulait que tu le fasses. Ça c'est un exemple de l'égarement des Jabriya. Et Omar ibn al-Khattab, il a récité à un d'entre ces gens-là, lorsqu'un d'entre eux avait par exemple volé, et bien il a dit, « Ya Omar, j'ai seulement volé par la prédestination d'Allah, bi qadarillah. » Et Omar ibn al-Khattab lui a répondu, il lui a dit, « D'accord, tu as volé par la prédestination d'Allah, et moi je vais couper ta main par la prédestination d'Allah. » Hein? Et là, donc ça c'est un exemple comment on peut réfuter al-Jabriya. Maintenant, Al-Qadariya, eux, ils ont affirmé Al-Irada Al-Shar'iya seulement. Et ils ont nié Al-Irada Al-Kawniya. Donc, ils ont dit que l'être humain, peut faire des choses sans que Allah subhanahu wa ta'ala le sache, ou sans qu'il l'ait prédestiné ou voulu. Et donc, ils ont nié en réalité la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils ont affirmé même qu'il y a plusieurs créateurs. Et Ahlus Sunnah wal Jama'a, on a affirmé les deux volontés et on a fait une distinction entre les deux. Donc ça y est pour aujourd'hui. Inch'Allah, on va s'arrêter ici. On continuera bi'iznillah la semaine prochaine. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.